Bien, écoute, c'est sûr que maintenant, je vois plus les années en années, mais en 4 ans. Parce que ben j'ai mon objectif de retourner au jeu. Maintenant que j'y ai goûté, c'est sûr que j'aimerais ça performer, mettons. Donc, tu sais, je dis pas que j'ai pas performé, mais tu sais, m'aligner plus vers la médaille. Donc, c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je planifie un peu mes entraînements. J'y vais vraiment pour que dans 4 ans, je sois rendue au niveau espéré, à un niveau peut-être assez élevé pour faire des trips, pour pouvoir justement envisager un podium. Mais ben, tu sais, tout ça, ça prend du temps. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai vécu les derniers mois, de vraiment me reconstruire une équipe autour de moi, de vraiment... tu sais, aussi quand que les Jeux terminent, c'est un peu le temps de relâcher la pression. Tu sais, c'est comme ouf. Mais une fois que tu reviens à l'entraînement, il faut se retrouver. Puis c'est un peu sur ça que j'ai travaillé. J'ai travaillé à me retrouver, à retrouver le bonheur de faire mon sport, tu sais, sans tout le temps penser au jeu. Puis ça l'a fait en sorte que mon entraînement, même sans vraiment mettre toute ma concentration sur performer en raison de, bien, ça l'a fait que je me suis tellement améliorée cet été. Je suis vraiment excitée pour les années qui s'en viennent, puis surtout pour cet hiver. Bien, oui, c'est sûr. Bien, dans le fond, il y a eu, naturellement, ça n'a pas été de mon... J'ai eu aucun mot à dire. Mais nos entraîneurs ont changé, donc maintenant, c'est plus Denis Kapchick, mais c'est Jeff Bean, notre entraîneur de l'équipe, notre entraîneur de ski, qui était l'entraîneur pour les 4 dernières années de l'équipe australienne. Puis les Australiennes sont très fortes. Donc lui, il amène vraiment une nouvelle couleur. Il y a aussi Rémi Bélanger, qui est avec le développement, avec qui on s'entraîne beaucoup. Donc ça a amené une nouvelle énergie. Il y a des nouvelles recrues, un peu comme Marion Thénault, Tommy ou Marc-Antoine Gagnon. Qui sont là, qui amènent une énergie nouvelle. Fait que, tu sais, en un an, j'ai passé de la plus jeune à la plus vieille en peu de temps, mettons. Mais oui, puis quand tu vas au jeu aussi, ça t'amène tellement une expérience un peu inoubliable, mais aussi ça t'amène beaucoup de sagesse. Puis ben, c'est un peu ça que j'ai retenu, puis maintenant, je sais un peu où m'enligner. Je sais de quoi j'ai besoin. Fait que je fais un peu plus un plus gros... un travail plus précis sur le travail mental ou encore des parcelles de mon entraînement qui entourent toute la technique du saut que j'adore.